Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course, bien sûr, qui était fait chez Intermarché, puisqu'il n'y a que Inter qui prenne ma carte Appétiz. Et je suis encore dans mon défi, 80 euros pour 2 semaines, donc 80 euros de course, tout compris. Voilà. Pas que l'alimentation, habituellement vous savez que c'est 80 euros que pour l'alimentation, mais le but étant de ne pas me retrouver dans le rouge. Il fait beau, il fait chaud, j'ai mis les fenêtres qui sont ouvertes et vous allez entendre du bruit, des scooters, des voitures, des gens qui parlent très fort. Oui, voilà, ce sera normal. Même si c'est chiant, je vais éviter de mourir de chaud chez moi. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, pas trop. Bref. Donc nous avons été faire un petit tour à Inter, on a été chercher aussi 2 colis. Je ne sais pas quand est-ce qu'arrivera cette vidéo, si ce sera avant ou après le vlog, je ne sais pas. Mais il y a 2 colis que je viens de filmer. Je viens de finir ma petite journée avec les colis que j'ai reçus. Donc ça sera soit très vite, soit la prochaine vidéo, soit la vidéo juste avant, je ne sais pas, on verra bien. Enfin vous verrez bien. Et bref, allez, assez discuté, assez parlé, carte Appétiz. Donc la carte Appétiz, comme son nom l'indique, la carte où mon employeur met de l'argent et moi également pour pouvoir aller manger au resto, mais qui sert aussi pour pouvoir acheter des courses, voilà, mais qui ne marche pas surtout. Et dans toutes les enseignes, puisque quand je fais mes courses à l'Aldi, je ne peux pas l'utiliser, Aldi ne prend pas cette carte. Par contre, à Intermarché, ils la prennent et du coup, ils la prennent effectivement sur tout ce qui va être légumes, fruits, sur pas mal de choses. Voilà. Bref, assez parlé, on va commencer. Donc, tout ce qui va être, viande, etc. Pour monsieur, c'est knacky. Voilà, on en a pris donc 2 paquets. J'ai pris également des lardons fumés. Voilà, j'en ai pris 2 paquets. Il y avait une promotion, je crois que c'est le deuxième à moins 68%. Bref, voilà. J'ai pris des lardons parce que j'ai des carottes, j'ai pas mal de carottes qui m'attendent dans mon frigo. Et j'aime bien me faire des carottes à la crème légère avec... de l'oignon et des petits morceaux de lardon. Je trouve ça trop bon. Donc voilà à quoi ils vont me servir. D'ailleurs, je pense que une fois que j'ai fait ce retour de course, non, ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, parce que là j'ai 2 jours consécutifs de repos. Donc il est fort possible, fort probable que cette personne ici présente fasse un petit meal prep. Voilà. Bref, donc, lardon. Après, nous avons pris, donc c'est tout ce que j'ai pris. Après, on a pris du fromage, là, le côté lait, machin. Bref. Du fromage blanc, ça, c'est aussi pour ma recette Kitok. D'ailleurs, Kitok, vous n'êtes pas obligé d'acheter les paniers. Parce que moi, avant tout ça, avant toute cette affaire Kitok, où je prenais des paniers, je me sens un peu foncée, là, non ? Hein, peut-être rajouter un peu de luminosité, c'est mieux. Oui, non. Bon, je laisse comme ça. Avant de prendre justement les paniers Kitok de temps en temps, en fait, il faut savoir que moi, j'allais sur l'application Kitok, enfin sur le site Kitok, et je regardais les recettes. Et du coup, ça peut donner des inspirations pour de futures recettes, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire quand vous avez justement des manques d'idées, n'hésitez pas à les regarder. Franchement, ça m'a sauvé la mise plus d'une fois. Et même si vous manque un ou deux, articles, un ou deux, aliments, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vous pouvez toujours changer par autre chose. Et franchement, c'est toujours très étonnant et ça fait du bien de manger autre chose. Je m'évade un peu, mais bon, bref. Donc toujours dans le côté un peu lait, j'ai pris de la mozzarella, puisque les tomates mozza, j'adore ça. J'ai pris également pour la main du morbier, voilà. Il y a aussi du Saint-Nectaire, donc produits laitiers normalement. Donc
je ne sais pas si c'est dans tous les magasins pareil, mais ça marche avec la carte Appétiz. Donc voilà, hop, tout ça. Donc ça, Morbier Saint-Nectaire, donc ça pour la tarte au fromage de l'homme. Moi, je me suis pris un Beaumont. Oh, là-bas, je voulais prendre un Beaufort. Mais le Beaufort, il est cher, il est à 4 euros et quelques. J'ai dit, ouais, non, non, on va se calmer, je vais prendre le Beaumont. C'est très bon, le Beaumont aussi. Donc, j'ai opté pour le Beaumont. Voilà, voilà. Après, on continue avec, ben, écoutez, ça ne va pas, enfin, si. J'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Cœur de lion. 3 cœurs de lion, 3. Puisque c'était 2 achetés, le troisième offert. J'espère qu'ils sont pas trop trop forts. Je sais pas si mon mari les a... s'il les a tâtés pour savoir. Je ne sais pas. Hop, après. Nous avons pris. Pour aller avec la tarte au fromage. Pâte feuilletée. Donc j'ai pris 2 pâtes feuilletées. Et une pâte brisée, c'était 2 achats à 3ème offerte. Donc j'en ai eu, c'était 1 euro la pâte. Hein. Donc 2 euros les 3 pâtes. Faut que je vérifie qu'elle ne se soit pas gourée parce que je n'ai pas regardé mon ticket quand je suis sortie. D'ailleurs, quand je suis sortie, parce qu'en fin de compte, dans la galerie commerciale Intermarché où je vais, c'est là où j'ai pu récupérer aussi mon colis. Voilà, je vais recevoir un colis. Ça arrive du coup dans le centre commercial. Et c'est un cordonnier qui fait aussi pressing. Habituellement, je lave ma couette au lavomatique. Ça me coûte 12 euros. Là, il y a des tâches qu'on n'arrive pas à retirer de la couette, même si elle est quand même très très propre. Il y a des tâches un petit peu, vous savez, bref, qui ne font pas non plus, voilà. Bref, je m'évade encore. Et là, je regardais en allant chercher mon colis et du coup, j'ai demandé à la personne qui travaille là-bas, je leur ai dit, mais je comprends pas, je vois qu'il y a 16 euros et quelques et 26, je crois, enfin, presque 10 euros, voire plus de 10 euros d'écart entre... de couette, je sais par rapport au format, et il me dit non, non, il me fait c'est par rapport si c'est une couette synthétique ou si c'est une couette avec des plumes. Nos livres racontent sa vie. Et en fait, quand c'est une couette synthétique, ça coûte 16 euros. Et je me dis franchement, j'en ai pour 12 euros à chaque fois. 12 euros ou même si on prend une machine 10 kg, la couette est super compressée dedans malgré tout. On emmène notre lessive, on fait tourner, ça nous prend tout notre temps parce qu'on peut rien faire mis à part attendre quand on est au lavomatique. Donc je me dis, on rajoute 4 euros, c'est fait par un professionnel qui veut utiliser des produits professionnels et peut-être qu'il n'y aura plus aucune tache sur ma couette. Donc maintenant, je vais aller au lavomatique. Non. Donc maintenant, je vais aller directement au pressing. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Bon. J'arrête, je reprends où j'en étais. Donc, on a dit les pâtes feuilletées, ça c'est fait. On a repris du sucre. Le sucre top budget numéro 4, comme d'habitude. Voilà. En légumes. Bon, même si vous allez me dire, non, ce n'est pas vraiment des légumes. Pommes de terre. Des épinards, alors dans ma recette Kitok, il y avait des pousses d'épinards, j'en ai pas trouvé, je trouvais des épinards. Alors j'ai demandé à mon mari, je sais, mais c'est quoi la différence entre des épinards et des pousses d'épinards? J'imagine que les pousses c'est peut-être un peu plus petit. Bon, ça fera l'affaire. Il y avait également du boudin noir, donc j'ai acheté du boudin noir dans la recette Kitok. Lumière. J'ai acheté un concombre puisque dans les recettes Kitok, il fallait en gros 3 concombres Noah. Ça, c'est les petits concombres, les concombres Noah là. Et il m'en restait 2. J'en avais acheté, il m'en restait 2. Donc du coup, j'en ai repris un grand, mais il n'y avait plus de Noah. Donc j'ai pris un concombre normal. J'ai pris également des oignons blancs. Pareil, ça c'est dans la recette Kitok. Citron. Putain, ils sentent vachement. Alors franchement, je vais vous dire la vérité, c'est la première fois que j'achète ça. Habituellement, je prends des oignons normaux.
Mais j'ai jamais acheté de... Voilà. C'est peut-être une très grossière erreur, vous allez me dire, Noli, mais ils sont magnifiques ces oignons. Prends ceux-là. Toi qui raffoles des oignons. J'ai pris de la menthe. De la menthe de chez Fleurette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous ai dit que j'ai pris un citron? Non, je crois pas. Donc un citron, ça c'est pour la recette Kitok. La menthe, c'est pour la recette Kitok aussi d'ailleurs. Et le persil pour la recette Kitok. À la base, c'est du persil plat. Quand j'ai vu la tronche du persil plat, j'ai dit non. Non, je ne prendrai pas de persil plat dans cet état-là. Donc je me suis réfugiée sur le persil frisé. J'ai pris le plus beau, bien sûr, quitte à choisir, prenons le plus beau. Mais le persil plat, il a quand même plus de goût que le persil frisé. J'ai l'impression que je suis en train de sentir des fleurs. C'est mon bouquet. Donc voilà, il reste... Je suis sûre, j'ai oublié un truc encore. Quoi donc, quoi donc, quoi donc. Bah non, je crois que c'est tout, hein. Je crois que je vous ai tout montré. Ah si, je vous ai pas montré ça. Ça, c'est pas pour la recette Kitok, les amis. Hein. N'achetez pas ça en vous disant « Noli, elle a pris ça. » C'est pour la recette Kitok. La litière pour mes petits loulous, la canaillou, puisque mon mari a fait la litière ce matin et qu'on n'en avait plus. Du coup, voilà. Ah. Et ben voilà, petit tour d'horizon. Je vous ai tout montré. Donc voilà, je vous mettrai du coup le total ici avec Appétise retiré. Je crois que j'ai pas dépassé ou un tout petit peu dépassé. Faut que je regarde, parce que c'est mon mari qui a sorti comme ça l'argent impudemment de sa poche. Donc faut que je vérifie. Bref, voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce retour de course Intermarché vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et mettre des commentaires sur les produits que j'ai pu acheter. Écoutez, je vous dis à très vite dans la vidéo du coup Meal Prep de chez Kitok, hein, puisque c'est une d'entre vous qui m'a dit Noli, ça serait bien que tu fasses Meal Prep Kitok. Très 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 bonne idée, mais malgré tout j'avais déjà tout fait déjà. Donc je refais les recettes pour vous et puis je vais en faire d'autres du coup pendant mon meal prep. Je vous dirai juste si c'est la recette Kitok ou non, surtout que j'ai gardé en plus le papier des recettes. Voilà voilà. Bon, j'ai assez blablaté. Moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée ou une très belle nuit, peu importe. Mais en tout cas, je vous souhaite quelque chose de très bien. C'est déjà ça. Bon allez, gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.